لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 Salam alaikum. Bon, quand tu passes au Maroc, c'est incontournable le fameux choix. Hein. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني. Alors nous sommes à Tanger, endroit magnifique. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. Alors nous sommes à Tanger, considérée comme étant la deuxième ville économique du Maroc. Alors de grands hommes ont vécu à Tanger, de grands hommes qui ont marqué l'histoire, entre autres Ibn Battuta, qui est né en 1304 à Tanger. Même ce grand explorateur, ce grand voyageur qui a parcouru tout au long de sa vie plus de 120 000 km à son époque. Et il y a aussi Tariq ibn Ziyad, rahmatullahi alayhi, ce grand personnage, hein, avant de lancer la conquête vers l'Espagne, eh bien il était à Tanger, particulièrement à Gibraltar. D'où le terme Gibraltar qui renvoie vers l'arabe Jabal Tariq qui veut dire la montagne de Tariq. Et ici ce qui est visé, c'est celui qui est visé, c'est Tariq ibn Ziyad. Donc c'est une ville magnifique, on ressent une certaine fraîcheur même en été. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de préserver les habitants de Tanger particulièrement et de répandre la paix au Maroc et dans les quatre coins du monde. On continue. Alors cette étape est une des étapes les plus importantes. Le prophète alayhi salam, hein, nous a rappelé que parmi les causes qui font que Dieu va allonger la vie de son serviteur et accroître ses richesses, c'est le fait de visiter sa famille. Que dire de visiter ses parents? Alors là je me dirige vers mes parents, hein. Je ne les ai pas vus depuis des mois. On va leur faire une surprise. Et tout simplement parce que faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman, ça fait partie des meilleures des actions, comme le prophète alayhi salam l'a dit. Que dire de faire rentrer la joie dans le cœur de tes parents, de ton père et de ta mère? Surtout si tu as été ou tu as fait partie des personnes qui ont fait pleurer tes parents, angoisser tes parents, et bien pour compenser, pour réparer l'erreur, fais entrer la joie dans leur cœur. On y va. For all the times I made you cry, the days I told you lies, now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed, oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day, I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late, I'd like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'ma try. L'eau de source naturelle, hein. C'est pas la petite maison dans la prairie, mais bon, presque. Et là, c'est mes enfants. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could.
en plein cœur de la montagne. Ça, c'est le Maroc, ça. Every day, mama grown up now, and it's not too late. En plein cœur d'une montagne dans la campagne, vraiment un endroit exceptionnel. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you. Alors la maladie du siècle, c'est sûrement le stress, l'angoisse, etc. Alors le remède, je pense, du siècle contre le stress, c'est ça. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama grown up now, it's a brand new day, I'd like to put a smile. Bien sûr qu'en tant que croyant, il y a des remèdes spirituels à dua. Le prophète alayhi salam lui-même faisait dua. Allahumma inni a'ouzu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et les tristesses. Il y a des invocations à faire. Et parmi les causes à faire, je pense, c'est d'être en contact avec la nature le plus longtemps possible. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit se couper du monde, de toute société. Mais vous verrez que les gens les moins stressés, eh bien, que ce soit en France ou ailleurs, hein, et particulièrement dans les pays musulmans, les pays du Maghreb, les pays arabes, les pays d'Afrique, vous verrez que c'est ceux qui sont souvent les plus pauvres, les plus démunis, ce sont ceux qui sont les moins stressés, les plus modestes. Et souvent, ce sont des gens qui sont en contact avec la nature. Je parle particulièrement des gens en contact avec la nature, ceux qui vivent dans les campagnes, etc. Et c'est vrai que pour se ressourcer spirituellement, rien de mieux que la nature. Et d'être en contact avec ceux, celles et ceux qui sont en contact continuel avec, avec la nature. C'est le moment de la traite des vaches. Four traditionnel pour une cuisson traditionnelle. يوم فرح كده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكم أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله Jumu'a en pleine campagne du Maroc. Alors là, nous sommes dans la ville culturelle du Maroc, si on veut. Hein. C'est la ville de Fès. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'endroit qu'on appelle Fès Jdid. Allah, Allah, Allah,
salam, ya salam, atbarku, ya Allah. Alors là, on est au Maroc, à Fès, particulièrement dans un endroit qui s'appelle Fès Jdid, donc c'est un grand marché. Et il faut savoir qu'au Maroc, depuis l'Antiquité, le Maroc a accueilli les Juifs. Alors, après qu'ils aient été persécutés et que beaucoup de pays dans le monde leur ont fermé les portes, eh bien le Maroc a toujours été un pays qui leur a ouvert les portes. Et on sent la présence des Juifs au Maroc jusqu'aujourd'hui, à travers, bien sûr, leur présence physique, mais aussi à travers la présence de synagogues et de cimetières. Comme vous le voyez ici, ici, il y a un cimetière israélite en plein cœur de Fès. قولوا ما شاء الله يا رب تعيش واحلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين رب سابل بوبوش سي لي اسكارغو alors chez nous chez les malikites c'est autorisé hein. Trop bon. Celui-là aussi c'est l'incontournable au Maroc, très très bon. ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله اجمل فرحه في حياه كل ليله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. Alors là nous sommes en direct de l'endroit appelé les grottes d'Hercule. Alors c'est des grottes, alors au-delà de ce qui peut être raconté, les mythes, les histoires, etc. hein, ce qui nous importe peu, c'est la beauté de l'endroit. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des grottes, d'accord, il y a des grottes, hein. Et la chose la plus magnifique, ou l'endroit précis le plus magnifique, ici c'est ce que vous allez voir. Alors c'est une ouverture qui dessine la carte de l'Afrique et qui donne directement sur la mer. Alors c'est vrai que c'est beau à voir, je vais vous le montrer. Alors voilà le départ. Alors c'est toujours un pincement au cœur hein, que de quitter notre pays d'origine. Alors pour moi le Maroc, pour d'autres l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, etc. Quitter nos familles. Mais toute bonne chose a une fin dans cette vie terrestre. Contrairement à la vie de l'au-delà où le plaisir sera éternel, Inch'Allah. Salam alaikum. والوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب.